Airbnb.fr, Blablacar.fr, Costocage.fr. La pratique de l'économie du partage, également appelée économie collaborative, se développe très très largement. Cette économie entre particuliers semble concrétiser le rêve d'un avenir d'échanges moins chers, plus conviviaux, plus solidaires ou encore plus écologiques. Mais qu'implique-t-elle vraiment? Que dit notre société de l'homme moderne? Cette économie du partage est-elle une alternative au capitalisme ou bien en est-elle tout simplement un nouvel avatar? Économie et partage sont-ils compatibles? Et au-delà de la viabilité économique du système, l'homme est-il vraiment capable de partage? Toutes ces questions font l'objet du débat de ce soir, un débat organisé en collaboration avec les élèves de la prépa HEC du lycée Notre-Dame de Grandchamp, que je tiens à remercier. Et je tiens également à remercier leur professeur Annie Ruyère. C'est un débat dans le cadre duquel nous avons le plaisir de recevoir ce soir trois invités. Jean Caron, tout d'abord, bonsoir. Vous êtes professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire au lycée Danielou à Rueil-Malmaison et vous enseignez à des jeunes qui se destinent soit à des carrières littéraires, soit à des carrières commerciales. Vous êtes également diacre pour le diocèse de Versailles et vous êtes une personnalité très engagée, que ce soit au sein du conseil pastoral ou encore dans le réseau de proximité de Poissy, pour ne citer que quelques-unes de vos activités. Adam Lévy-Zoberman, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Vous êtes cofondateur du site internet costocage.fr que je citais il y a quelques secondes. Le site costocage.fr dont le principe est de mettre en relation des particuliers qui sont à la recherche d'espaces de stockage et en face des gens qui précisément disposent d'espaces inutilisés. On aura l'occasion d'en reparler. Enfin, Michel Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous ce soir. Vous êtes juriste en contentieux au sein d'un cabinet parisien et vous êtes également avocat, je le précise, au cabinet du barreau de New York. Vous avez eu l'idée de cofonder le blog Droit de partage. C'est un blog qui entend comprendre, faire comprendre et alerter sur les problématiques juridiques liées à l'économie du partage. Votre conviction, vous nous en parlerez, hein, mais si j'ai bien compris, c'est que l'économie collaborative est une révolution et que le droit est plutôt en retard. On en reparlera dans quelques instants. Et nous devions également avoir parmi nous ce soir Anne-Sophie Novel, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous et elle le regrette. Alors et nous aussi, évidemment. Pour commencer, revenons sur ce qu'est l'économie du partage, parce que c'est vrai que si le principe est assez répandu, finalement, l'appellation l'est sans doute moins. Comme le disait d'ailleurs Rachel Botsman, qui est une figure emblématique de ce mouvement, elle disait que l'économie du partage manque d'une définition partagée, ce qui est assez bien vu, d'autant que selon les différents acteurs, les définitions diffèrent. Alors, je vous propose que l'on fasse un rapide tour de table. Adam Lévy-Zoberman, quelle est votre définition de l'économie du partage? À mon sens, l'économie du partage, c'est la mise en relation d'une ressource d'un côté et d'une demande pour cette ressource de l'autre. Et cette ressource, elle peut être, ça peut être un logement, comme dans le cas d'Airbnb, ça peut être une voiture, comme dans le cas de Drivee, par exemple, la location de voiture entre particuliers, ou comme dans notre cas, de l'espace, qui jusque-là ne servait à rien, et qu'on propose à des particuliers pour qu'ils y stockent des cartons, des meubles, etc. Donc, vraiment la mise en relation d'une offre et d'une demande pour une ressource donnée. Michel Leclerc, ça m'intéresse d'avoir votre définition à vous et que vous nous expliquiez la différence que vous faites entre économie du partage et économie collaborative, puisque les deux termes sont assez répandus. Alors, déjà, je suis assez d'accord avec la définition d'Adam Lévy sur l'économie du partage, et j'ajouterais que pour moi, c'est vraiment un modèle économique dans lequel trois personnes, trois entités, en fait, interagissent. Vous avez celui qui met en relation et celui qui est mis en relation. Donc, ça fait trois personnes. Une personne qui met en relation, une personne qui est à la recherche d'un service ou d'un bien, et une personne qui est capable de lui fournir. Et donc, c'est là, d'ailleurs, que va naître la complexité juridique, c'est qu'on a donc une relation tripartite, triangulaire, on peut appeler ça comme on veut, et qui crée de la complexité. Et quant à la différence entre l'économie collaborative et l'économie du partage, je dois vous avouer que je n'ai pas la réponse. Je dirais que c'est une question d'affichage, comment on l'appelle, parce que l'économie du partage, je dirais qu'il y a déjà un jugement de valeur plus fort que l'économie collaborative. Et il y a aussi une manière pour les acteurs de l'économie collaborative de s'afficher comme des bons samaritains, et ceux qui sont plus cyniques. C'est dans cette diversité d'ailleurs qu'est tout l'intérêt. Très bien. Jean Caron. Ça ne vous a pas échappé que j'étais le plus vieux des trois interlocuteurs. Je n'appartiens pas à la génération Y. Et moi, je vais être un peu dans le questionnement par rapport à ce mot partage, parce que j'ai envie de dire que toute économie a été économie du partage. C'est la base de l'échange. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'un peu spécial qui apparaît, c'est la mise en valeur de ce mot de partage. J'ai envie de dire partager plutôt que détruire.
il y a toute cette dimension-là qui va être appelée. Partager plutôt que posséder simplement tout seul, partager et mettre au service des autres, et puis partager au sens de faire avec d'autres, collaborer, comme vous l'avez évoqué. Et j'ai envie de dire que c'est ces trois dimensions-là, et puis peut-être qu'on verra que le mot de partage cache des réalités parfois bien différent. Vous l'avez dit, et c'est très juste, hein, finalement, ça a toujours plus ou moins existé sans qu'on l'appelle vraiment comme ça. Les modèles de réemploi ont toujours existé, que ce soit la revente, le don, le troc, surtout le don aux associations caritatives ou le don aux proches. Alors, en revanche, ce qui change, c'est que ces modèles de réemploi sont renouvelés par les plateformes Internet, que ce soit eBay, Le Bon Coin, et utilisés de plus en plus massivement, tant par les particuliers que par les entreprises. Adam Lévy-Zauberman, précisément, que change vraiment la révolution numérique par rapport à ce principe d'échange? Je pense que ce qui change, la chose essentielle, évidente, c'est l'ampleur du service. Si à l'époque où le seul moyen que vous aviez pour vendre votre voiture, c'était de mettre une petite annonce dans le journal qui était distribué à la boulangerie, il y avait de fait moins de gens qui la voyaient que quand vous mettez une annonce sur Le Bon Coin, qui est aujourd'hui un des plus gros sites français, par exemple dans le cas de l'immobilier, Le Bon Coin, c'est le plus gros site immobilier français. Aujourd'hui, un site de petites annonces. À l'époque, on ne parlait pas d'économie du partage. Quand on mettait des petites annonces, on appelait ça économie du partage, finalement, depuis qu'il y a cette révolution Internet. Depuis qu'on peut diffuser à la France entière, au monde entier, même dans le cas d'Airbnb, quelqu'un à Brooklyn qui va proposer un appartement à un Chinois de Shanghai et qui vont, voilà. Donc oui, c'est l'ampleur, le volume et la surface géographique qu'on peut atteindre. Quels sont les biens qui sont partageables? Parce que ça peut être aussi bien des vêtements, des voitures, des meubles, des téléphones. Qu'est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager aussi bien des biens matériels que des biens immatériels, Michel Leclerc? Absolument. On peut partager, par exemple, de l'espace, de l'espace de stockage, comme le fait Costockage, où en fait, ce qu'on partage, c'est de l'espace libre chez soi. Donc, c'est déjà presque de l'immatériel. Mais d'un point de vue juridique, je peux vous répondre qu'il n'y a pas de limite, entre guillemets, il n'y a pas de règle générale. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vous dire que les biens immatériels ne peuvent se partager. On le voit, il y a des startups qui vous font partager des voitures. Il y en a d'autres qui vous font partager de l'espace, de stockage. D'autres qui vont même vous faire partager votre force physique en vous faisant livrer des biens pour d'autres. Donc c'est vraiment quelque chose. Donc là, on est dans l'immatériel, en l'occurrence. On est vraiment dans de l'immatériel et dans le service. Donc, Alors, je vais citer Antonin Léonard, qui est le fondateur de WeShare. Alors, qu'est-ce que c'est que WeShare? C'est une communauté, pour simplifier, une communauté qui est dédiée à l'émergence de la société collaborative. Et ce monsieur a décrété, je cite, « On essaye de ne plus utiliser le terme d'économie du partage, car il implique une notion de solidarité qui n'existe pas. » Jean Caron, est-ce que vous partagez son sentiment? Je crois que c'est un peu complexe et nébuleux, j'ai envie de dire, ce dont on parle. Et c'est ce qui le rend passionnant, parce que c'est des choses qui émergent et dont on a du mal à bien penser les fils, les conséquences, etc. Donc, on voit bien que, par certains côtés, ceux, notamment les investisseurs ou les commerciaux, hein, pour parler comme à Grandchamp, les gens qui sortent d'école de commerce, ils envisagent des gains possibles. Ils envisagent la possibilité par cela, notamment s'ils sont les premiers, s'ils arrivent très vite à avoir du nombre et des flux, ils envisagent de capter de la valeur et du coup, parfois, de faire fortune. Et c'est vrai qu'on peut se demander s'il y a de la solidarité au sens de l'altruisme derrière. Mais quand même, à l'intérieur de ce que vivent la plupart des gens qui entrent dans cette dimension-là, il y a non seulement la volonté probablement de payer moins cher, hein, on pourrait parler de Blablacar par exemple, donc on va payer un peu moins cher que le train, mais il y a aussi une aspiration à rencontrer des gens, à connaître un peu une aventure particulière, à se relier à d'autres. Et ça nous oblige à réfléchir à la situation de l'économie qui, par certains côtés, est en manque de relations. Et de relations qui va plus loin que, si vous voulez, un partage immédiat. Je te vends quelque chose, tu me rends quelque chose d'autre. La volonté de construire quelque chose comme du lien. Et c'est pourquoi le mot « cher », CH,
S-H-A-R-E, et je crois assez symbolique. Vous évoquez phénomène. Quelque chose de très important, on y reviendra tout à l'heure, hein, qui est la question du lien social. Avant d'aborder ce chapitre-là, Adam Lévy-Zoberman, quelles sont les motivations qui animent les acteurs de l'économie collaborative? Et d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir, dans votre cas précis, vos propres motivations pour avoir cofondé le site costocage.fr. Est-ce que c'est des motivations d'ordre financier, d'ordre écologique ou autre? Quelles sont les motivations? Je pense que la première motivation, du côté de la demande, hein, parce qu'on est toujours dans un cas où il y a une demande et une offre. Donc, du côté de la demande, c'est l'accès à un service ou à un bien qu'il était soit compliqué, soit un peu trop cher, auquel était un peu trop compliqué ou un peu trop cher d'accéder jusque-là. Souvent, on met en avant l'argument du prix, par exemple dans le cas de Blablacar, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a d'autres, que toutes ces plateformes ont d'autres arguments que celui-là. Dans le cas d'Airbnb, les gens qui passent par Airbnb sont à la recherche d'authenticité. Ils en avaient marre d'aller dans un Hilton qui est toujours le même partout dans le monde, à Shanghai, à New York ou à Berlin, et ils veulent un appartement d'un habitant local. Dans le cas de Costocage, on est capable d'offrir une proximité à votre espace de stockage qu'aucune chaîne existante d'entrepôts de stockage n'est capable d'offrir, parce que personne ne peut construire des entrepôts à tous les coins de rue. Alors, puisque vous parlez de l'offre, quelle est maintenant la motivation du côté de ceux qui offrent? Et force est de constater, enfin, en tout cas c'est votre cas, que ce sont des entrepreneurs jeunes. Quelles sont leurs motivations? Alors attention, parce que quand je parlais d'offres, moi je parlais des particuliers qui mettent à disposition des biens ou des ressources. Alors il y a effectivement toujours une question d'argent, de revenus complémentaires, qui est probablement essentiel. Et puis, il y a tout le reste, le fait de rencontrer des gens. Voilà, vous mettez un appartement à disposition sur Airbnb, vous allez rencontrer des touristes qui peut-être vont vous proposer de venir les voir quand vous irez dans leur ville. Vous allez créer du lien sur Blablacar. Vous n'avez pas envie de voyager tout seul, vous êtes commercial, vous n'avez pas envie de faire tout seul le Paris-Marseille en voiture que vous devez faire une fois par semaine, et vous allez avoir des gens dans votre voiture, au moins, ils vous tiendront éveillés. Voilà, il y a de tout ça. D'accord. Je crois que par rapport à ces questions-là, le numérique n'est pas seulement un moyen qui permet plus de rapidité, moins de coûts, un accroissement du nombre. Il faut bien avoir en tête que depuis une quinzaine d'années, le numérique transforme complètement la mentalité de la génération Y, puis de la génération C, que les gens prennent l'habitude de vivre en réseau. Réseaux sociaux, partage d'informations, partage de vidéos, partage de musique. Et du coup, probablement, il y a une aspiration à développer ça en dehors de la sphère uniquement des loisirs, comme un style de vie. Et c'est peut-être là qu'il faut vraiment réfléchir, avec cette idée que se mettre en réseau permet de créer de la valeur. C'est plus un état d'esprit. Consommer différemment, produire différemment, passer des vacances différemment. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur de ça, il y a des manières de récupérer les choses pour prélever de la valeur, pour faire des affaires, pour trouver des bons plans. Mais je crois que c'est un changement de mentalité. Un changement de mentalité et d'état d'esprit, vous avez raison. Alors, on le disait tout à l'heure, Michel Leclerc, finalement, l'économie, enfin, les pratiques collaboratives n'ont rien de si neuf, hein, puisque déjà dans l'ancien régime, il y avait le système des communaux, c'est-à-dire des espaces qui appartiennent à l'ensemble de la société. Est-ce que finalement, on est en train d'observer un retour à la conception ancienne de la propriété, comme le suggère d'ailleurs Jeremy Rifkin, qui est, je le rappelle, un essayiste américain et un spécialiste de prospective? Et en ce sens, est-ce que l'économie collaborative serait une régression? Alors, pour le droit de la propriété, c'est vrai que l'économie collaborative est très intéressante. D'abord parce que le droit de la propriété, en tant que, je dirais, domaine du droit, est un domaine qui est réputé pour être extrêmement, monolithique, peu sujet à évolution. Et là, il trouve quelque chose qui le bouscule. Donc, c'est déjà très intéressant pour un juriste. Je dirais que indéniablement, aujourd'hui, on s'éloigne de la conception de certains auteurs, théoriciens du droit de la propriété, qui considéraient que être propriétaire de quelque chose, c'était avant tout la capacité et l'exercice de cette capacité d'exclure quelqu'un du bien dont on est le propriétaire. Aujourd'hui, c'est plutôt la capacité, je dirais, à travers l'économie collaborative, de créer de la valeur en partageant ce bien. Là encore, on n'est pas dans des logiques altruistes, mais on est dans des logiques de création de valeur. Mais je dirais qu'on n'est plus dans une logique exclusive. Régression, pour un juriste, je dirais absolument pas, parce que la raison d'être de notre blog, Droit du Partage, c'était vraiment de parler d'un sujet passionnant, parce qu'il redéfinit toutes les catégories juridiques et il donne en fait à penser à un juriste.
Et il donne à justement partager encore une fois les idées et les réflexions que l'on se fait juridiquement sur ces sujets. D'accord. Alors, vous parliez de création de valeur. Encore faut-il qu'il y ait pour ça de la confiance. Jean Caron, un rapport de confiance peut-il être virtuel ? Je crois que oui. Il peut être virtuel, si vous entendez par virtuel, passer par les moyens électroniques. Quand on regarde la manière, par exemple, dont Wikipédia fonctionne, la manière dont des choses comme Linux, qui sont des sites de partage de logiciels, la manière dont aujourd'hui, dans la communauté scientifique, beaucoup de travaux ne seraient pas possibles sans le partenariat des échanges qui font qu'on est beaucoup plus ouvert aujourd'hui dans la recherche et dans le partage des informations qu'on pouvait l'être il y a 50 ans. Donc, si vous voulez dire confiance ici, je crois que le numérique n'empêche pas cela. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les cas dont on parle, par exemple Costocage, par exemple Blablacar, on voit que par le numérique, il y a la volonté de retrouver des relations physiques. Hein, c'est-à-dire que des gens qui se sont éventuellement reliés par Internet vont ensuite se mettre d'accord pour se donner rendez-vous à un certain endroit, partager 300 km de bagnole, et ensuite ça se termine par une poignée de main, et on va mettre une note plus ou moins bonne au conducteur, selon qu'il nous aura fait ou non la conversation, et selon que quelque chose se sera passé. Alors, vous mettez l'accent sur quelque chose d'important, c'est qu'on peut mettre des notes plus ou moins bonnes, et puis on peut aussi communiquer ses déceptions. Alors je pense par exemple aux vidéos de dénigrement du site Airbnb, qu'on évoquait tout à l'heure, donc ce site qui, je le rappelle, est un site qui permet de louer des appartements partout dans le monde. Comment ces déceptions sont-elles médiatisées, Adam Lévy-Zoberman ? Alors, je suis pas un spécialiste de la déception des plateformes collaboratives auprès de leurs utilisateurs, mais simplement pour revenir à la question initiale sur le manque de confiance, sur la question sur est-ce que la confiance peut être virtuelle, la réponse, en tout cas de mon point de vue, est un grand oui. Et c'est d'ailleurs, pour revenir à la première question que vous posiez au début de l'émission, sur quel est l'apport de la... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'économie collaborative par rapport à ce qui se faisait avant ? La confiance, la construction d'une réputation en ligne des utilisateurs des plateformes, c'est essentiel et c'est ce qui a permis à toutes ces plateformes de se développer, de dire, voilà, cette personne-là, on la connaît, elle a déjà fait des transactions chez nous, des locations, des achats, etc., et ça s'est bien passé. Du coup, vous pouvez recommencer. Petites structures, parce que c'est vrai que dans le commerce classique, on a plutôt tendance à privilégier des grandes enseignes connues et réputées, y compris pour des petites structures. Est-ce que le manque de confiance des citoyens consommateurs ne peut pas être un frein dans ces cas-là ? Vous voulez dire des petites structures, de petites entreprises collaboratives ? Petites entreprises qui ne sont pas encore connues. Ça peut tout à fait être un frein. Effectivement, chaque plateforme a une marque à construire. Et cette marque, elle peut accélérer la construction de sa marque, notamment en proposant des services qui ajoutent à la confiance. Par exemple, quand Airbnb s'est dit qu'il y avait eu un accident dans un appartement, ils ont ajouté une assurance. Nous, Costocage, on a mis une assurance dès le début qui couvre à la fois les objets stockés et les espaces dans lesquels ils sont stockés. Donc il y a des moyens d'assurer cette confiance. Par ailleurs, effectivement, parfois les particuliers sont nouveaux sur une plateforme et donc ils n'ont pas d'historique, on ne sait pas qui ils sont. Et c'est pour eux un problème, effectivement, pour trouver avec qui faire des transactions. Alors, vous mettez le doigt sur l'histoire des assurances et justement, ça me permet de me tourner vers vous en faisant une transition. Quel est le rôle, Michel Leclerc, des pouvoirs publics pour précisément encadrer cette économie, pour la réglementer et pour en faire vraiment une économie de confiance ? Alors, ce rôle, il est important. Je vais revenir très vite sur la confiance parce que, pour jouer un peu l'empêcheur de tourner en rond, il y a bien sûr la confiance qui se crée par ces applications mobiles. Il y a aussi la confiance qui se crée par des expériences réussies. Mais je pense que derrière tout ça, il y a évidemment la sécurité juridique. Et je pense qu'aussi une des manières, et on le voit dans la manière qu'ont certaines plateformes de communiquer, qu'une des manières d'aujourd'hui de faire connaître son service et de le vendre, c'est aussi de dire qu'il est, je dirais, sécurisé juridiquement. Et pour le sécuriser aujourd'hui, c'est un tour de force et c'est en tout cas une tâche qui n'est pas évidente du tout et dans laquelle les pouvoirs publics ont un rôle indéniable et on peut le voir dans certains domaines où cela a été un succès, je dirais. C'est par exemple le crowdfunding qui est aussi, je dirais, un avatar de l'économie du partage. Est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots pour ceux des spectateurs qui ne sont pas familiers avec absolument. Ce terme ? Absolument. Alors, j'espère que je vais être clair. Le crowdfunding, c'est une manière pour la foule, la crowd,
de fournir des financements à un projet et ensuite d'être rétribué d'une manière ou d'une autre, soit par le remboursement à taux zéro d'un prêt, soit par des prestations en nature, ou alors par des parts dans la société de cet investissement. Et c'est donc évidemment là, je dirais, un des exemples de l'économie du partage où on a vraiment plutôt des collusions d'intérêts qui prennent une forme collaborative et dans le but de création de valeur. Et dans ce domaine-là, le législateur français, par le biais de lois et de décrets, a fixé un cadre assez clair, assez précis, qui permet de dire quelles sont les règles pour ceux qui portent les projets, donc c'est-à-dire les start-up qui veulent proposer leurs projets à des investisseurs, pour les investisseurs et pour les plateformes qui les mettent en relation. Et ce cadre juridique est en place depuis moins d'un an. Et les premiers échos qu'on a et la manière qu'on voit de communiquer de certaines start-up, je pense qu'il y a un contentement généralisé, une satisfaction de voir qu'aujourd'hui, on peut labelliser sa plateforme en disant qu'on est conforme au droit français, qu'on est une plateforme qui est labellisée, par exemple, intermédiaire en financement participatif. Et ce qui permet de créer cette confiance, de créer de la valeur ensuite, et de aussi souligner le rôle du législateur. Je vous interromps parce que c'est vrai que dans l'économie du partage, comme on l'appelle, il y a des tas de problèmes juridiques qui ne sont pas propres à cette économie-là. Hein, des problèmes comme la concurrence déloyale, les questions de, vous l'évoquez, hein, d'assurance, de responsabilité civile. Est-ce qu'il y a une législation propre à cette économie du partage? Est-ce qu'elle fonctionne un peu différemment? Alors, je dirais que l'économie du partage est vraiment complètement nouvelle, et je rejoins le fait que nous, on pense, chez Droit du Partage, que c'est une révolution. Et qu'un cadre juridique spécifique dans certains cas pourrait être adapté, parce qu'aujourd'hui on bricole avec des catégories du droit social, des catégories du droit civil, des catégories du droit de la concurrence, et on essaie de s'adapter à tout cela parce que le droit est toujours en retard, mais on a tout intérêt, je pense, à dans certains cas légiférer, et c'est le cas, ça semble être le cas aujourd'hui avec le projet de loi numérique d'Axel Le Maire qui devrait être présenté en septembre. Qui est dans les cartons, absolument, et qui a fait objet d'une vaste consultation à laquelle nous avions pu participer et dans le cadre de laquelle il avait été proposé de faire un cadre pour l'économie collaborative avec un statut d'acteur collaboratif pour protéger notamment les consommateurs qui se prêtent des biens et qui interagissent ensemble. Mais aujourd'hui, on est au point zéro et on tend vers l'infini. Alors pour terminer sur ce chapitre de la confiance, Jean Caron, votre point de vue de philosophe sur ces questions est intéressant. L'homme est-il capable de partager et pourquoi? Et est-ce que ces nouveaux comportements construisent vraiment des nouveaux liens basés sur le partage, ou est-ce que finalement ce seraient des formes exacerbées d'individualisme, si on veut pousser à l'extrême? C'est compliqué, et là encore, on n'a pas le recul. Que l'homme soit capable de partager, j'ai envie de dire, c'est toute l'histoire humaine qui le montre, et ça serait difficile de parler d'une seule activité humaine dans laquelle il n'y a pas du partage à la base. L'éducation en est une, évidemment, fondamentale, mais on pourrait parler d'autres. C'est vrai que c'est ambivalent. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'un certain nombre de personnes se saisissent de ces phénomènes-là pour entrer dans une consommation encore plus effrénée. Par exemple, on peut, grâce à des systèmes-là, louer une bagnole de luxe alors que jamais on n'aurait pu l'utiliser, ou bien on peut renouveler encore plus rapidement son téléphone portable grâce à des systèmes de vente, etc., en ligne, etc. Bon. Donc on voit bien que ça peut accélérer le consumérisme. Mais inversement, on voit aussi chez beaucoup de personnes l'idée que c'est une manière de rendre les objets plus durables, d'utiliser de manière plus cohérente et rationnelle les objets, hein, quand on sait qu'une voiture à peu près est utilisée à 9% de son temps, alors qu'à 91% de son temps, elle est arrêtée sur un parking. Et on pourrait parler de la perceuse ou bien d'autres objets de bricolage, par exemple. Hein. Donc le mettre en commun, c'est pas idiot. Hein. Et donc on voit bien que là, le partage peut apparaître comme une bonne solution. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'on sort de la logique soit l'intérêt personnel, et alors je garde tout pour moi, soit l'altruisme, et alors là, sans qu'il y ait aucun retour, j'entre dans le sacrifice de moi-même au nom de préceptes moraux. Là, il y a l'idée que, d'une certaine manière, on va pouvoir faire du partage gagnant-gagnant, dans lequel, sans sacrifier mon bonheur et ma volonté de déployer ma liberté, je vais pouvoir ouvrir ma communauté plus largement,
et faire profiter à d'autres des choses que j'ai moi-même, hein, et inversement, alors, dans la réciprocité. Vous l'avez dit, hein, l'un des objectifs, c'est aussi de rendre les objets plus durables. C'est vrai que le bilan environnemental, j'ai envie de dire, de vertueux de l'économie du partage est souvent mis en avant par les entrepreneurs de cette économie. Il apparaît que ce n'est pas forcément si évident que ça. Qu'en est-il vraiment, Adam Lévy-Zauberman, de cet aspect écologique ? Écoutez, moi, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, dans beaucoup de cas, ça permet d'éviter d'avoir à acheter un produit ou un service, et plutôt de le louer ou d'y accéder de manière temporaire. Dans ce cadre-là, évidemment, ça a un impact écologique tout à fait positif. Si vous n'avez plus à acheter de voiture, mais que vous pouvez juste emprunter ou louer celle de votre voisin, ça fait une voiture de moins qui sera produite. Donc je vois pas comment est-ce qu'on pourrait dire que ça a un impact, que ça n'a pas un impact positif d'un point de vue écologique. Et est-ce que justement il y a des lobbies, des constructeurs automobiles par exemple, pour rester sur cet exemple-là, qui s'élèvent contre cette économie du partage, qui, pour les raisons qu'on imagine, les dessert du coup ? Sur l'automobile, je sais pas. Sur les hôtels, clairement. Mais monsieur répondra mieux que moi. Sur les espaces de stockage, Sur les espaces de stockage, pas encore. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas encore assez gros pour que les self-stockers, les gens qui ont des entrepôts de stockage traditionnels, s'en prennent à nous. Mais j'ai pas doute que ça finira par arriver. Vous, votre business model, si je puis m'exprimer ainsi, au sein du site Costockage, quel est-il véritablement ? Parce que donc, vous mettez en relation, mais c'est une activité qui... Enfin, il y a quand même un objectif de lucratif au sein de Costockage. J'imagine, quel est votre business model ? Alors, vraiment rien de sorcier, rien de particulier quand on connaît ce genre d'entreprise, parce que c'est à peu près toujours la même chose. On prend une commission sur les loyers, c'est-à-dire que le propriétaire fixe un prix, le locataire vient réserver le bien, et nous, on ajoute une commission au-dessus du prix fixé par le propriétaire. Donc c'est le locataire qui paye la commission qui est chez nous entre 15 et 20% et qui lui permet d'accéder aux services complémentaires que sont l'assurance, le service client, etc. D'accord. Alors pour revenir à l'argument écologique, si vous permettez, Michel Leclerc, c'est vrai que les promoteurs de l'économie du partage utilisent souvent cet argument-là, hein, d'écologie, d'environnement pour faire la promotion de leurs activités. De fait, ce n'est pas faux. Est-ce au risque de tomber dans ce qu'on pourrait appeler le greenwashing ? Le greenwashing étant l'éco-blanchiment, autrement dit, un procédé marketing qui consiste à se donner une image écologique responsable. Mon impression personnelle, c'est qu'il y a indéniablement un effet donc, de vogue et de mode dont on avait parlé, hein, pour l'économie collaborative, et que certains acteurs en profitent, ou en tout cas se servent de cela pour redorer leur image. Et d'ailleurs, l'économie collaborative n'est pas que l'apanage des jeunes start-up, mais c'est aussi aujourd'hui de plus en plus un domaine où les acteurs institutionnels, comme les grands assureurs, comme les grands constructeurs automobiles s'investissent et créent des modèles collaboratifs. Donc je pense que si vous posez la question à une personne qui souffre de la pollution créée par un constructeur automobile au quotidien, de savoir si elle pense que le fait que tel ou tel constructeur automobile a créé son service d'autopartage va l'absoudre de tous ses péchés, je dirais que non. Et je pense vraiment que on ne peut pas dire que cet aspect, comme vous l'appelez, greenwashing, est absent. En tout cas, cette question me fait penser à l'initiative très récente d'Uber de créer son service Uber Pool. Alors Uber, on le rappelle pour les téléspectateurs qui sont pas, enfin bon, c'est un peu connu, mais il s'agit d'un service de voiture concurrent des taxis. On n'a pas absolument entendu parler à cette occasion, oui. Et donc qui propose des chauffeurs. Uber, c'est à la fois en fait aujourd'hui, en l'état actuel du droit, à la fois un service de VTC et un service assez étrange par le biais d'Uber Pop, mais qui en fait vous permet, oui, de vous déplacer en milieu urbain comme avec un taxi. À des prix défiant toute concurrence. Et Uber a ce service depuis récemment qui s'appelle Uber Pool et qui a été généralisé aujourd'hui dans le cadre de la semaine du climat, je crois, et qui vous permet en fait de partager un trajet à plusieurs personnes sans vous connaître. Donc on est dans une sorte de blabla car de la ville où une personne qui fait un trajet X va proposer à d'autres personnes qui font un trajet similaire de voyager ensemble.
Et tout cela, et c'est là que j'ai fait le lien avec le greenwashing, tout cela, évidemment, est présenté par Uber. Et c'est normal, parce que je pense que concrètement, c'est le cas, comme une manière de diminuer son empreinte écologique, puisque, évidemment, circuler en voiture à 5, c'est mieux que de circuler tout seul. Bien sûr, bien sûr. Peut-être que sur l'aspect écologique, on peut quand même dire que aussi que il n'y a pas de logique nécessaire qui ferait que ce qu'on est en train d'analyser conduirait nécessairement à faire des gains du côté de l'écologie. C'est la question de savoir quelles sont les valeurs qui portent ce mouvement-là. Est-ce que les hommes, chacun d'entre nous, relayés par les institutions avec des bonnes lois qui pensent le cadre institutionnel des choses, ce que les hommes et les femmes veulent faire de ce système-là? Et c'est vrai qu'il y a une vraie ambiguïté possible. On peut utiliser, encore une fois, ces outils pour être encore plus consommateur, pour faire plus de kilomètres, parce que chaque kilomètre coûtera moins cher, pour acheter des services dans des voitures très très puissantes qui consomment beaucoup, plutôt que de prendre sa petite deux chevaux pour aller en Bretagne. C'est vrai. Mais on peut aussi, à condition que ça se relaie à la production de voitures et de biens en général plus durables, une mentalité qui va essayer de regarder comment mieux gérer des biens dont nous savons aujourd'hui qu'ils sont finis et en nombre limité. Donc si c'est relayé à ça, à ce moment-là, c'est une des dimensions possibles de la transition écologique. Pour rebondir sur ce que vous dites, Jean Caron, comment est-ce qu'on peut faire justement pour faire passer la protection de l'environnement du statut d'argument à celui d'objectif ? Je crois que à un certain moment quand même, il faut se poser la question, notamment par les lois, par les incitations fiscales aussi. On n'a pas parlé de fiscalité, mais c'est des choses qui peuvent être importantes aussi. Quel type de modèle on va essayer de privilégier ? Parce qu'à l'intérieur de cet ensemble dont on parle, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a des systèmes qui sont en train de devenir très, très monopolistiques, avec des captations de valeur très, très grandes, dans lesquelles, finalement, les consommateurs sont actifs, mais au profit de logiques qui ne sont pas toujours les leurs, hein, et qui, parfois, donnent lieu à des gains qui sont en dehors de France, par exemple. Hein. Donc, il y a des systèmes qui peuvent être très nocifs, voire toxiques, comme dit M. Stigler, notamment, qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là. Et puis, il peut y avoir, au contraire, des modèles très vertueux, très, très économe en bien, permettant un développement durable, permettant une prise de conscience des obligations un peu vis-à-vis de l'environnement. Hein. Je pense notamment aux AMAP, dont par certains côtés, qu'on peut par certains côtés rattacher à cela. Quand, vous pouvez rappeler ce que c'est que les AMAP, peut-être ? Quand des individus s'associent pour rendre possible l'achat direct à un producteur de, par exemple, de légumes ou de fruits, pour que finalement chacun gagne un peu plus et des produits de qualité et soit dans une relation plus directe entre consommateurs et producteurs, voyez. Donc on peut soutenir ce qui est un modèle plus positif en faisant un peu le tri dans des usages qui sont très différents les uns des autres. Alors, quel est l'avenir de cette économie et que traduit-elle de l'homme ? Adam Lévy-Zobermann, vous apportez ce soir le point de vue de l'entrepreneur. Quels sont les risques éventuels liés à cette économie et est-ce que vous avez foi en cette économie ? Alors, évidemment, j'ai foi dans cette économie. J'imagine, sinon vous n'auriez pas lancé le site. J'en aurais pas lancé un service collaboratif. Il y a effectivement, évidemment, un certain nombre de risques. Et en tout cas, ça va provoquer un certain nombre de changements. Est-ce que c'est des changements positifs ou négatifs on verra bien. Et c'est aussi la responsabilité de chacune des plateformes de faire en sorte que ça se passe bien et que ça ne se fasse jamais au détriment des usagers. Moi, je vois un certain nombre de risques de la part de certaines plateformes qui, en fait, se servent de la consommation collaborative comme un moyen de faire travailler des gens pour elles, sans s'encombrer de tout le cadre légal, notamment du droit social, et des coûts qui vont avec. Uber a été très critiqué parce que, en fait, ils ont purement et simplement créé un service de taxi mondial, sans jamais payer, en France, par exemple, sans jamais payer l'URSSAF pour les chauffeurs qui travaillent pour elles, alors même qu'elles captent une grande partie des revenus. Donc le premier risque, je pense que c'est celui-là.
Et là-dessus, évidemment, je vais rebondir parce que c'est fondamental et le risque juridique, il est grand, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il doit freiner ou qu'il doit détruire les initiatives, mais justement, il existe et du point de vue du droit du travail ou du droit social, comme on l'appelle, il existe et il est important parce que on voit très bien qu'il y a certains modèles qui font travailler des personnes dans un statut qui est présenté comme un statut d'indépendant. Et ces personnes-là, en réalité, dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas, ça dépend vraiment du cas particulier, elles sont dans une relation de subordination, dans une relation où la plateforme, je dirais la plateforme, je vais l'appeler comme ça, leur impose des horaires de travail, leur impose parfois même des tenues de travail, leur impose des notations, ça c'est assez généralisé. Les codes du salariat. Et absolument, c'est les codes, vous appelez ça les codes des salariats, et moi j'appelle ça exactement les indices du salariat déguisé. Mm-hmm. Et c'est vraiment là un enjeu. Je ne dirais pas que c'est un risque pour l'économie collaborative dans son ensemble, parce que comme le disait M. Caron, il y a de tout et de rien, je dirais, et de n'importe quoi dans l'économie collaborative aujourd'hui. Mais il y a aujourd'hui des vraies questions qui se posent pour certains acteurs. Et Uber, j'ai entendu parler d'Uber, et encore une fois, un objet d'étude passionnant. Pour le juriste, c'est passionnant parce que c'est vraiment l'acteur disruptif, comme on l'appelle, c'est-à-dire celui qui arrive des États-Unis avec ses grandes bottes et qui est là pour tout casser et le dit très clairement et qui aujourd'hui a recours à certaines pratiques qui sont remises en cause et le recours à des personnes sous le statut de l'auto-entrepreneur notamment peut aujourd'hui être remis en cause en disant que c'est du salariat déguisé parce que les personnes peuvent être notamment d'ailleurs désactivés de la plateforme et ne plus travailler justement pour Uber et sont dans une relation de subordination. Et ça, c'est des questions qui se posent et elles se posent notamment aux startups que nous sommes amenés à conseiller parce que c'est évidemment déterminant du business model. Si votre business model est fondé sur le fait de faire livrer des produits ou des services ou de faire travailler des personnes pour en satisfaire une autre, si cette personne vous coûte beaucoup plus cher, évidemment, votre business model en est très impacté. Je n'ai pas de formation financière, mais je sais à quel point c'est important aujourd'hui de considérer le coût que représente pour vous la personne que vous faites travailler. Et donc, le droit là-dessus a un rôle. Comme d'habitude, il va prendre son temps, le droit, parce qu'il va prendre les chemins classiques que sont la jurisprudence, la loi, l'application de la loi ensuite par la jurisprudence et tout ça met du temps. Et en tout cas, il y a des questions qui se posent. Enfin, je comprends que les autorités se posaient ces questions. Les autorités se posent des questions. C'est déjà un premier pas. Je voulais revenir, Jean Caron, sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez que l'une des raisons pour lesquelles ces modèles d'économie du partage fonctionnent si bien, c'est sans doute parce qu'on est une société en manque de liens et en tout cas en manque de relations qui cherche à construire du lien social, pour reprendre ce que vous disiez. Qu'est-ce que cette économie révèle de l'homme aujourd'hui d'un point de vue anthropologique, si je puis dire? Alors, je voudrais aussi dire, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, ça manifeste qu'on est aussi dans une société en crise économique, où un certain nombre de personnes sont obligées de trouver des formules alternatives pour avoir accès à des services qu'elles ne peuvent plus s'offrir directement. Quand vous regardez le prix du billet SNCF aujourd'hui, en région parisienne, vous comprenez bien pourquoi un certain nombre de gens, des jeunes en particulier, cherchent à contourner les prix qui sont parfois exorbitants. Voilà. Donc on est en crise économique. Et donc tant que cette question-là ne sera pas surmontée, on aura du mal à bien apprécier ce qui est en train de se passer. On est aussi, c'est vrai, vous le soulignez, on est dans une société qui recherche de la relation, qui se pose la question, mais derrière l'échange économique, est-ce qu'il n'y a pas aussi la nécessité de créer de la communauté? Créer du commun, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, cette idée que peut-être à partir d'un certain moment, et les théoriciens, j'ai envie de dire les évangélistes de l'économie du partage développent beaucoup cela, dire qu'à un certain moment, la société industrielle, la société capitaliste s'est enfermée dans une espèce d'individualisme étroit. Donc on réinvente du lien. Mais évidemment, il y a une question qui se pose, qui me paraît fondamentale, c'est que
Est-ce que ce sont des liens qui se créent, du partage, ou est-ce que c'est au contraire la marchandisation généralisée de l'être humain ? Parce qu'un certain nombre de choses qui renvoyaient tout simplement au don, au partage avec le proche, dans la famille, dans la communauté villageoise, dans la ville, aujourd'hui devient un gisement d'argent. On fait comprendre aux gens que la poussette qui traîne à la cave, la pièce qu'ils ont et dans laquelle il n'y a rien, peut-être quelque chose qui va leur faire gagner de l'argent. Et aujourd'hui, par exemple, si vous êtes allé dans les lieux comme Emmaüs, vous vous apercevez que Emmaüs vous dit, mais on a beaucoup moins de meubles de qualité aujourd'hui à proposer, on nous donne moins de choses parce que les gens essaient d'abord de vendre ici ou là sur eBay ou sur Le Bon Coin, voyez. Et donc, est-ce que, et c'est là qu'on retrouve de l'ambivalence, est-ce que se crée du lien plus fort, des relations entre les individus à partir de cette aspiration des jeunes notamment, ou est-ce qu'au contraire, l'homo economicus est en train de triompher sur tous les plans ? Où est la place du don et où est la place du pauvre, celui qui, de toute façon, n'entre pas non plus dans ce système de partage, même si les prix baissent ? Alors, si on prend le versant positif de versant positif de votre explication, à savoir le fait que cette société aspire à des nouveaux liens, est-ce que finalement on n'est pas en train de passer d'une économie du partage à une société du partage, autrement dit une société dans laquelle l'homme serait davantage au centre et pas dans un système plus désincarné? Alors ça serait formidable, et j'ai envie de dire que c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit les jeunes de Grandchamp en classe préparatoire qui posent la question et qui réfléchissent, parce que j'ai envie de dire ça dépend de cette génération là c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Si on dit économie du partage, c'est que quelque part, la dimension du partage est une valeur. Ce que les gens veulent créer, c'est une économie qui fonctionne, qui donne de l'emploi, si possible durable et protégé aux gens, mais qui leur permette de retrouver un sens du commun qui peut-être a été un peu perdu. Hein. Et l'idée, évidemment, qui est derrière, c'est en réfléchissant, il y a un vrai devoir de réflexion sur ce qui est en train de se passer, et c'est toujours difficile de comprendre ce qui est nouveau. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se faire voler cette notion de partage au profit de grands groupes internationaux qui sont en train de se saisir de cela et qui vont capter progressivement une valeur qui, au contraire, pourrait produire de la communauté? Votre explication est amusante parce que le sujet qui avait été choisi par les jeunes de Grandchamp justement l'année dernière, c'était « Doit-on se méfier des rapports marchands ?» Donc on est là de nouveau en plein dedans. Adam Levy-Zuberman, les modèles de mutualisation qu'on a évoqués se sont certes beaucoup développés. Il y a des biens qui s'y prêtent particulièrement, effectivement, les livres, les DVD, le matériel de bricolage. Mais est-ce que finalement les Français ne sont pas trop attachés à la propriété pour qu'ils puissent souscrire complètement à ces nouveaux modèles ? Alors, non. Non, la France est presque le laboratoire de la consommation collaborative. Plus encore que les États-Unis, parce que ça vient de là, on parlait des modèles Uber, etc. Probablement derrière la Californie, en tout cas. C'est massif. Le nombre de startups qui se créent sur tous les sujets, c'est assez impressionnant à observer. Et pourquoi ? Alors pourquoi en France particulièrement ? Mais c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi est-ce que c'est un terreau très favorable ? Est-ce que c'est nos valeurs républicaines mondialement connues qui sont pour quelque chose ? Quelle est votre interprétation à vous ? Je pense que effectivement la crise joue un rôle. Mais elle n'a pas été plus violente en France qu'ailleurs. Non, mais je ne sais pas. En tout cas, ça joue un rôle dans l'adoption de ce type de pratique. Je pense qu'il y a aussi la conjonction d'une forte tendance à l'entrepreneuriat qui vient se mêler en France. Hein, c'est souvent les gens sont surpris quand on leur dit ça, mais il y a un nombre d'entrepreneurs et d'entreprises qui se créent en France qui est exceptionnel. Qui serait lié au rejet de la génération Y que vous évoquiez, des modèles de travail traditionnels ou... Qui est lié à ça, hein, qui est lié à la difficulté de trouver un emploi aussi, bien sûr. Stable. Ouais. Qui est lié à un désir de plus de flexibilité, de liberté, etc. Et donc cette tendance vers l'entrepreneuriat vient rencontrer, un peu peut-être par hasard, cette tendance qu'est la consommation collaborative. Et donc du coup, les jeunes se saisissent de ce sujet-là, particulièrement en France.
Alors là, vous parlez du côté des entrepreneurs, mais du côté des consommateurs de cette économie collaborative, est-ce que vous avez le sentiment que le partage à terme peut transformer les usages ? C'est-à-dire que j'achète moins, on achètera moins des voitures individuelles, mais que ça va transformer les habitudes et les usages et que ça deviendra un réflexe d'utiliser une voiture de manière collective ? Oui, et c'est déjà le cas. Par exemple, à Paris, le nombre de voitures par habitant est en chute libre. Et c'est certain que le fait qu'on peut trouver une voiture très facilement appartenant à un voisin pour la louer sur Drivey, par exemple, ou une Autolib, hein, qui est finalement aussi un système de consommation collaborative, c'est certain que ça a un impact. Pour revenir à ce qu'évoquait Jean Caron tout à l'heure, Michel Leclerc, sur la question du lien social, est-ce que votre sentiment, c'est que l'économie collaborative est vraiment un gage de solidité du vivre ensemble ? Alors moi, je... Si on prend le versant positif, hein, parce qu'il y avait deux versants, un versant positif, un versant qui l'était moins, sur l'aspect positif. Si on pense l'économie collaborative en conjonction avec la transition numérique, c'est-à-dire la facilité qu'on a aujourd'hui par le biais d'un téléphone, de se mettre en relation pour ensuite créer quelque chose qui peut être artificiel, qui peut être récupéré à des fins marchandes, mais qui, comme le disait M. Caron, est fondamentalement fondé sur le contact, l'échange physique presque, entre les personnes, eh bien je dirais que oui, parce que c'est, en tout cas, je dirais, c'est une condition, un moyen, je dirais. L'économie collaborative est aujourd'hui un moyen. Elle part dans tous les sens, en tout cas de l'expérience d'un juriste qui réfléchit à chacun des modèles et qui écrit sur chacun de ces sujets, c'est qu'on a des questions extrêmement diverses et que tout est à créer. Et comme le disait M. Caron, on ne sait pas trop où on en est, mais on peut exprimer des espoirs et des craintes. Et tout est une question, je dirais, de caractère. Quand vous dites que ça part dans tous les sens, c'est-à-dire d'un point de vue juridique spécifiquement ? Oui, d'un point de vue juridique, je vous avais dit le droit social, mais il y a aussi le droit fiscal. Monsieur Caron le disait, où va-t-on taxer ces grandes sociétés ? Le droit de la concurrence déloyale, le droit européen, puisqu'ensuite, par exemple, dans le cadre du contentieux entre Uber et les autres VTC, Uber a soulevé un argument de concurrence européenne et de non-conformité de la loi Thévenoud, qui est une loi qui visait de manière très simple à limiter l'impact d'Uber, n'était pas conforme aux engagements européens de la France. Donc tout cela vient s'entremêler, tout cela va se décanter. Et le législateur, encore une fois, je pense qu'il a une certaine puissance. Donc je ne suis pas du tout de l'avis de dire qu'aujourd'hui, le législateur n'a aucun impact. Il peut décider, il peut notamment dire ce qu'il veut, c'est-à-dire quels sont les modèles qu'il souhaite voir se développer et ce qu'il ne souhaite pas. Et je pense par exemple à Emmanuel Macron qui, dans un débat parlementaire récemment, avait dit « Moi, je suis en faveur du covoiturage, mais je ne suis pas en faveur du covoiturage qui tire vers le commerce. » Il avait utilisé une expression qui, pour un juriste, est très vague, mais clairement, il avait là un objectif, c'était Uber Pop, le service d'Uber, qui pour lui était un service qui est en infraction avec la loi, qui capte de la valeur, hein, pour rejoindre cette expression, de manière illégale, ça reste à déterminer encore, et il avait en tête comme modèle vertueux Blablacar, où des personnes se rencontrent et où les échanges sont moins marchands et tirent moins vers le commerce. C'est pour ça qu'un des enjeux vraiment très importants, c'est l'articulation entre cette économie du partage et globalement le politique. Parce que souvent, la génération Y, etc., trouve là des lieux, défiante qu'elle est dans le politique, dans le centralisé, etc., dans l'institutionnel, des lieux pour exister dans une marge libre. Et je crois qu'il est fondamental, et c'est un des rôles, j'ai envie de dire, des professeurs, il est fondamental de faire comprendre à cette génération que cette aspiration à la liberté et au partage ne peut fonctionner que si elle prend sa part dans la démocratie et que elle contribue à faire exister des lois collectives qui, sans étouffer la liberté, et parce qu'il y a un enjeu très important là aussi, sans étouffer la liberté, sans étouffer cette espèce de pollinisation généralisée qui est un peu symbole de la vie, donc sans étouffer tout cela, permettent quand même de garantir les bases de la justice. Parce qu'on a beaucoup parlé de partage, mais partage suppose justice. Et le risque de cette économie du partage, c'est que derrière l'apparente ouverture plus grande,
des nouvelles injustices, des nouvelles fractures se mettent en place. Et là, il y a des enjeux très grands, que l'économie du partage ne soit pas dissociée de tous les autres aspects du partage. Vous avez parlé des politiques, mais il y a aussi le politique au sens norme du terme. Dans ce projet de société, finalement, il y a une dimension très politique dans ce projet d'économie du partage et de société du partage. Oui, parce qu'il y a une aspiration à penser le commun autrement. Je crois qu'il y a la prise de conscience par une génération qui a entendu depuis toujours parler de crise, de comment est-ce qu'on fait à l'intérieur de ça pour se débrouiller, pour trouver d'autres manières de faire, pour inventer aussi des moyens de construire sa vie et de se développer à travers une ambition professionnelle bien comprise. Donc ça c'est très, très bien, mais il n'y a pas encore la construction des médiations qui permettent de construire les institutions politiques rendant possible cela. Parce qu'il y a des logiques capitalistiques qui sont quand même très profondes et dont il faut essayer de prendre conscience. Voilà. Ces autres manières de faire, elles impliquent aussi une plus grande dépendance vis-à-vis d'autrui. Est-ce que finalement l'économie du partage, ma question s'adresse à vous deux, est-ce que l'économie du partage nous apprend à accepter la dépendance vis-à-vis d'autrui? Parce qu'on est obligé de rien, mais on est amené à contacter des gens que la plupart du temps on ne connaît pas du tout. Est-ce que c'est une nouvelle façon d'envisager la dépendance vis-à-vis de l'autre? Moi, je dirais que c'est pas tout à fait nouveau. C'est pas plus nouveau que c'est le commerce. C'est-à-dire que au lieu d'aller dans une boutique, dans un commerçant de quartier quand on a la chance d'en avoir un à côté, ou d'aller dans un supermarché quand c'est ça qui est le commerce du coin, on va chez son voisin. Donc, on est dépendant de. Au lieu d'être dépendant d'une entreprise, on est dépendant d'un individu. C'est pas forcément plus mal. Et l'économie collaborative nous fait quand même prendre conscience, pas forcément du nouveau besoin que nous avons d'autrui, mais d'une manière différente, puisque du coup, c'est ce que vous expliquiez, ça passe par des outils qui sont différents. Oui, le rapport au commerce n'est pas tout à fait le même. Et encore une fois, moi, c'est ce que j'expliquais au début. Je pense que là où les plateformes collaboratives vont gagner par rapport au commerce établi, c'est dans la facilité d'usage qu'elles offrent à leurs utilisateurs, la fluidité, la simplicité d'accès, etc. Bon, bah écoutez, je suis désolée, on est obligé d'arrêter ce débat puisqu'on arrive à son terme. Merci à tous les trois d'avoir participé. Merci aussi, bien évidemment, aux étudiants prépa HEC de Grandchamp qui sont ici présents. Et j'en profite pour rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent eux aussi venir au Collège des Bernardins assister à cette émission. Merci à leurs professeurs, bien évidemment. La semaine prochaine, dans le cadre du prochain mardi d'actualité, nous verrons pourquoi et comment enseigner l'histoire aux collégiens. Vaste programme, je vous donne donc rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée à tous.